Basket, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, un petit get ready with me. J'avais envie, oups, je vous ai un petit peu secoué dès l'entrée. J'avais envie de faire un petit get ready with me. J'avais envie de discuter un petit peu avec vous de plusieurs choses en fait. Donc c'est l'occasion. On va faire quelque chose d'assez simple parce que ce soir j'ai rendez-vous avec le maître de ma petite fille pour sa remise de carnet du trimestre. Donc je ne vais pas faire quelque chose d'extravagant. On va rester calme, hein, n'est-ce pas? Même si il est charmant. Bon, il est un peu jeune, mais il est charmant. Donc voilà. Alors, première chose. Je mets une base de chez Agnès B, une base lumière que j'aime beaucoup. J'essaye en ce moment, je ne sais pas si vous faites aussi ça, il y a des périodes où j'essaye de terminer des choses. Donc il y a des périodes où j'achète plein de trucs et il y a des périodes où j'essaye de me débarrasser de vieux trucs. Et comme ça m'embête de me débarrasser de trucs à moitié pleins, ben, j'essaye de les terminer avant de m'en débarrasser. Donc j'avais envie de parler de ce qui me tracasse. Non, ça ne me tracasse pas. C'est en projet en fait. Puisque, comme vous le savez, je tenais un blog auparavant. Et je me tâte beaucoup à le reprendre. Je vous avoue. Ça me manque et puis le côté écriture surtout me manque. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup, l'interaction aussi par écrit qu'on peut avoir avec ses abonnés, ses lecteurs, ses lectrices. Donc en ce moment je réfléchis à ça. D'ailleurs j'ai commencé à remettre le nez dans mon blog pour le remettre un petit peu au goût du jour, parce que ça faisait 3 ans que j'y avais pas touché. Si vous êtes également abonné à mon blog, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je revienne par ce biais-là. Alors bien évidemment, ça va venir se rajouter à la page Facebook, à l'Instagram. Après, il faut effectivement être un peu partout, j'ai l'impression. Je vous avoue que je repars un petit peu de zéro parce que pour celles qui me suivent depuis des années, ici on n'est pas très nombreux. On est 1700 sur Facebook et je vous avoue que au top de ma forme, j'avais 8000 abonnés. Donc ça fait un peu bizarre, j'avoue. Je suis restée sur une note positive où j'avais parfois des milliers de vues hein, alors que là sur une édition de vidéo ça tourne aux environs de 30. Bon, ça grimpe après avec le temps, mais c'est une autre atmosphère. Je vous invite bien évidemment encore une fois hein, à partager vos idées, vos commentaires, mais voilà, j'ai vraiment envie de tout remettre en route pour pouvoir partager un maximum, avoir une interaction qui me manque par rapport à avant, et faire un petit peu la même chose, y apporter quelques nouveautés, notamment par rapport à des conseils que je pourrais donner sur mon expérience, voilà, avec la perte de poids. C'est vrai que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et puis voilà, essayer de rebâtir quelque chose d'important, parce que c'est important pour moi, et puis que j'ai envie de me lancer ce petit challenge de réactualisation. Alors c'est vrai que les choses ont beaucoup changé hein, depuis, tout simplement parce que c'est plus la même chose. Moi j'ai débuté vraiment au début des blogs, au début des chaînes YouTube sur les tutoriels beauté, donc c'est vrai qu'il y avait un public néophyte et puis qui prenait un petit peu de tout. Là aujourd'hui, on se rend compte que
j'en ai déjà parlé, mais on se rend compte que ça s'est vachement professionnalisé, qu'il faut être vraiment bon, parfait pour avoir des milliers, des centaines de milliers d'abonnés, Voilà, etc. mais Voilà, de créer une petite communauté et puis surtout d'échanger avec cette communauté. Voilà, c'était ma petite séquence projet du c'est moment. certain. Alors, je vais Donc, utiliser la palette de chez Colourpop qui s'appelle Brown Sugar. Oh, il n'y a pas de souci. donc la palette Brown Sugar qui est comme ceci. On a dit léger, Laetitia, léger. Donc léger. Petite base quand même. Base Laura Mercier. Donc ouais, voilà, c'est mes petits projets du moment. Et bah après, dites-moi vous ce que vous préférez en fait comme genre de réseau. Est-ce que vous êtes plus Facebook? Est-ce que vous êtes plus Instagram? Est-ce que vous êtes plus YouTube? Les blogs à lire? Qu'est-ce que vous aimez et quelles sont vos lectures en blog? Parce que du coup, en remettant le nez dans mon ancien blog, j'avais une liste de liens de blogs que je lisais à l'époque. C'est vrai que maintenant, j'en lis beaucoup moins. Et c'est surtout que mes anciennes lectures ne sont plus d'actualité. Donc voilà, si vous avez des blogueuses beauté préférées, alors c'est vrai que je suis assez, comment dire, exclusive. C'est-à-dire que je m'intéresse vraiment aux blogs beauté. Après, bon, voilà, quand je commence à connaître certaines personnes qui ont des blogs lifestyle, mais c'est ce qui m'intéresse en fait. C'est vraiment la beauté. Quelqu'un qui va faire que de la mode ou que. Non, il faut vraiment que la ligne éditoriale soit les cosmétiques principalement. Et puis voilà. Et puis que ce soit sympa, et puis s'il y a une chaîne YouTube, parce que j'aime bien voir aussi en action les personnes. J'aime bien quand c'est vivant en fait. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que quand j'avais mon blog, je me suis mise rapidement à YouTube parce que c'est ce que j'aimais moi à l'époque, c'était d'avoir une base écrite et puis après de voir en action. La personne ou les produits, c'était ça qui me plaisait. Donc, de revenir aux deux, ça me paraît pas, ça me paraît logique en fait. Voilà, ça c'était un sujet dont je voulais parler. Après, je voulais également qu'on discute de, alors, ça. En contradiction avec ce que je vous ai dit. Donc c'est vrai que moi j'aime bien les trucs de beauté, mais je vous disais que j'avais envie de m'investir un petit peu plus dans voilà, le soutien aux hommes et aux femmes, vraiment à toutes les personnes, voire même aux jeunes qui souhaitent perdre du poids ou en tout cas revenir dans un style de vie sain. Et parce que c'est. Alors, la période des fêtes est une période propice à cela. Mais je pense que je vais faire une petite vidéo sur mes cures détox, en fait. Parce que juste avant les fêtes, et très régulièrement, en fait, je fais des détox. Mais ce n'est pas des détox bien compliqués. Et justement, j'avais envie d'en parler. Dites-moi si ça vous intéresse. Si personne n'est intéressé, c'est pas la peine. Mais voilà, vous donner quelques conseils. Alors, c'est pour les personnes qui veulent perdre du poids, mais pas forcément, hein. La détox, c'est bon pour tout le monde. Voilà, c'est pour toutes les personnes qui veulent redonner un petit coup de boost à leur organisme. Donc voilà, moi j'ai commencé depuis hier, donc c'est bien de le faire avant les fêtes pour, voilà, pour assainir un petit peu, pas commencer à encrasser le corps.
C'est bien de le faire après pour décrasser. Donc voilà. Oui, j'ai eu aussi une autre idée parce que je vous avais demandé, alors via mes réseaux, je vous avais demandé si vous aviez des questions sur pour moi, des questions, parce que j'ai aussi envie et de vous connaître et de me faire connaître. Donc c'est vrai que c'est pas évident, autant répondre à des questions posées. Voilà, donc j'ai une petite idée de tag, du coup, pour essayer de me faire connaître un petit peu plus. En plus, ça va être un petit peu rigolo. Donc, alors je sais pas si, il sera posté avant ou après cette vidéo. Selon l'humeur, on verra. Ah oui, dites-moi aussi si vous avez... des attentes pour Noël, si vous avez envie de choses. Alors j'ai fait il y a déjà un petit moment, est-ce que j'ai fait une wish list beauté bien sûr. Dites-moi si vous voulez aussi des idées cadeaux. Bon, on voit que ça en ce moment, les idées cadeaux de Noël après la phase les calendriers de l'Avent, maintenant c'est les idées cadeaux. Ah oui, puis je voulais parler aussi d'une nouvelle série que je suis en train de suivre. Forcément, je ne vais pas réussir à le dire. How to get out of murder. J'essaierai de vous mettre un petit lien. J'essaierai de vous mettre un lien, enfin une info avec soit le titre, soit la photo de la série. C'est une série que je regarde sur Netflix et oh là là, je me suis prise dedans, j'arrive pas à m'en dépatouiller le soir, j'arrive plus à m'endormir à cause de ça. En fait, c'est l'histoire d'une prof de droit qui intègre en fait dans son cabinet 5 de ses étudiants et qui va les entraîner dans ses affaires et dans une histoire macabre avec son mari. C'est... Mais c'est chouette. J'aime bien, franchement. J'aime bien. C'est sympa, cette association de couleurs, là, de vert et orangé. C'est nouveau. Enfin, c'est nouveau. La première fois que j'essaye ça, mais je trouve ça sympa. Donc, voilà. Une nouvelle série Netflix. Alors, je regarde pas la télé. Hein. Je regarde parfois Netflix avec des séries, mais j'ai du mal à accrocher. Si, j'ai adoré Penny Dreadful. Ça, c'est vraiment une série que j'ai adorée. J'en ai parlé d'ailleurs dans mon top et flop. Mais j'adore cette série. Je suis dégoûtée qu'il n'y ait pas eu plus de saisons, en fait. Parce que c'était vraiment mon idéal de série. Dans le genre, dans le thème, dans la façon dont c'est tourné, en fait, le côté un peu glauque. Autre sujet problématique du moment, le nouvel an. Hein ? Alors, tout le monde est en train d'organiser Noël. Tout le monde sait plus ou moins ce qu'il fait à Noël. Mais est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que vous ne savez toujours pas ce que vous faites au Nouvel An? C'est une problématique que j'ai ces dernières années. Je ne prévois plus rien au Nouvel An. Ça se détermine vraiment toujours à la dernière minute. Et je sais pas, je suis un peu blasée en fait. Est-ce que vous faites partie de la team « Je dois absolument faire la fête au Nouvel An » ou est-ce que vous en fichez, ou est-ce que c'est une soirée importante pour vous? Vu comment s'est terminée mon année 2018, je vous avoue que j'ai pas vraiment envie de fêter ça, mais... Ça reste quand même une occasion de retrouver des amis,
Mais dans l'ensemble, je trouve quand même que l'esprit de la Saint-Sylvestre a disparu. Comme l'esprit de Noël, hein. Après, je sais pas. On est peut-être blasé aussi de tous ces trucs-là. Et puis les conditions, je vois cette année-là, préparer Noël avec les histoires des gilets jaunes, de voir tout ce qui se passe. Bon, je veux pas foutre une ambiance de merde sur cette chaîne, mais il faut avouer quand même que on est là, on discute, on se maquille. Mais j'ai quand même l'impression que ça part en couille, non? C'est pas l'impression que vous avez, vous? Je ne sais plus quoi faire. Est-ce qu'il faut garder notre optimisme? Est-ce qu'on doit tous se terrer chez soi et puis attendre la Troisième Guerre mondiale? Ah là là, mes amis. Finalement, j'aime bien ce mascara, le SLA, là, Serge Louis Alvarez, Natural. Il est. En fait, bon, il faut prendre le temps de le travailler. Mais il est pas mal. Je trouve qu'il galbe bien les cils et puis il fait pas de paquet. J'aime bien. Oh, dis donc, j'ai craqué. J'ai été faire un tour sur le site Look Fantastic et il y avait une promo. J'en ai profité pour commander des choses que je voulais depuis un petit moment, notamment des produits de la marque Origins, je sais pas si vous connaissez, mais dont on entend parler, qui sont arrivés sur chez Sephora. Mais chez Sephora, forcément, ils sont en dehors des promos pour changer. Toutes les marques exclusives chez Sephora sont hors code promo. Donc finalement, j'ai été sur Look Fantastic. Et d'ailleurs, je suis pas un peu la, je suis pas un peu pas la seule, mais je sais pas si vous, ça vous fait pareil, mais je délaisse un peu Sephora au profit de ces sites qui se diversifient dans les marques. Non accessible partout, mais et puis avec des avantages. Look Fantastic, au-delà de 25 euros, les frais de port sont gratuits. Donc bon, j'ai largement dépassé. Hein. Mais tout ça pour... Et du coup, c'est vrai que bah, bien souvent chez Sephora, ce qui m'intéresse, c'est les marques exclusives. Donc comme je ne paye rien à plein tarif. Ça m'énerve de ne pas avoir de réduction sur ces marques. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vais voir ailleurs. J'ai reçu ma nouvelle carte Black. Et oui, j'ai perdu ma carte Gold, puisqu'effectivement, pour la première fois en je ne sais combien d'années, je n'ai pas acheté suffisamment. En même temps, j'ai envie de dire, c'est pas bien grave. Tant mieux. Et puis, de toute façon, pour ce que ça m'apportait comme avantage, c'est pas, voilà, c'est pas grand-chose. Je pense que j'ai fait beaucoup plus d'économies en allant acheter ces produits ailleurs et en dépensant moins chez Sephora. Mais bon, c'est, voilà. Bah, au niveau des yeux, on va s'arrêter là. J'ai des chutes. Des chutes! Oh là là, l'hiver. L'hiver et les lèvres gercées. Tu trouves pas que c'est une calamité? C'est horrible. Et pourtant, le soir, avant de me coucher, je me badigeonne de crème en couche épaisse. Mais ça n'empêche que... Je vous ai pas dit. Oh là là. J'ai plus mal aux dents. J'ai été voir mon dentiste hier. Enfin, je suis retournée voir mon dentiste. Puisque j'ai été le voir une première fois, il m'a donné un traitement, etc. Et il m'a enfin soigné la dent problématique. Je revis, vous savez ça, je revis. Et autant vous dire que
de ne plus prendre 15 tonnes de médicaments, des trucs costauds, bah, ça fait du bien parce que j'en pouvais plus, quoi. J'étais complètement amorphe. Je sais pas si ça se voyait sur les photos, mais j'étais complètement, complètement amorphe. Fatiguée, tout le temps en train de dormir, c'était atroce. Oh, c'est beau ça. Je sais pas si ça va aller avec ça. Un petit blush by Terry. Petit blush by Terry. Donc oui, ça fait du bien de pouvoir. Oh, c'est rose pâle. Non? Ah, c'est peut-être aussi parce que j'ai pas mis de bronzer. Non, c'est trop rose. Avec mon, ça va pas avec mes yeux. Faut que je bronze. Je vais bronzer avec Kiko. Oula, c'est poudreux un peu. Oh là là, en ce moment, je sais pas quoi faire avec mes cheveux. C'est horrible. Ils ont vraiment la mauvaise longueur. J'ai hâte qu'ils poussent. J'aimerais bien les avoir là. Vous savez, avec un petit carré un peu flou, là. Ça se fait beaucoup en ce moment. Mais là, moi, c'est... Et puis alors, il faut que je fasse ma couleur. Je suis vieille. Non, mais les cheveux, là, c'est... Alors, ils sont... Ils sont souples, hein, c'est pas le problème, mais c'est juste que j'ai l'impression d'avoir une tête de... Alors, là encore, ça va. Dès que je mets les lunettes, j'ai l'impression d'avoir une tête de secrétaire. Non? Strict. Ça fait un peu strict, non? Bon. Bref. On fait pas les sourcils, hein, comme d'hab. Et sur mes lèvres... Toute sèche, qu'est-ce que je vais mettre? Un truc crémeux? Il n'y a pas plus crémeux que ça. Les rouges à lèvres, là, de chez Estée Lauder, ils sont crémeux à souhait. Hop! Il n'y a pas de référence, par contre. Tiens, c'est bizarre. Ah non, pas de référence. Mmh. Ça vous fait pas ça aussi, vous, depuis l'ère des rouges à lèvres liquides, mat, qui vous assèchent la bouche? Dès que vous remettez un rouge à lèvres crémeux, vous dites « Oh là là, c'est trop bien !» Puis ceux-là, ils ont vraiment une texture baume, en fait. Donc voilà, ce Get Ready With Me est terminé. Je sais pas si j'ai parlé de tout ce que je voulais parler, mais... Mais c'est pas grave. Bah, laissez-moi vos commentaires. Je les attends avec impatience. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Une petite playlist. Et dites-moi aussi si vous avez des chaînes, vous, parce que je trouve pas de nouvelles chaînes à regarder. Alors, les anciennes sont très bien, hein, mais j'aime bien découvrir des nouvelles choses de temps en temps. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.